Hello la fille, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Bref, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Je sais pas si ça sera un vlog comment, si ça sera un vlog casanière. Je sais pas si je vais sortir. Sachant que j'ai rien de prévu en vrai cette semaine. Genre, de toute façon on est vendredi. Donc je dis cette semaine comme si on a un début de semaine, comme si je débute une semaine. On est vendredi. Programme du jour les filles, c'est tourner deux vidéos pour YouTube. Là je viens de passer l'aspirateur. En fait là, vous voyez, je suis partagée entre deux trucs. C'est soit je fais un chit-chat pour parler de l'amitié, soit je fais un ST Speaks pour parler de l'amitié et tout. Parce que pour moi, c'est un sujet qui est important, pas négligé, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est un verset biblique et c'est souvent dit aussi dans le monde et c'est archi vrai. Donc bon, voilà, j'aimerais vous parler par rapport à ça, vous parler un peu de mon expérience. Je vais tourner aujourd'hui mon chit-chat. Ensuite, on enchaîne avec mon intro et ma fin de vidéo pour les sourcils. J'ai déjà monté ma vidéo où je fais mon tuto sourcil. Ensuite, je dois tourner une vidéo FAQ. En fait, je l'avais tournée la dernière fois, cette semaine. Sauf que, étant donné que j'ai aussi tourné une vidéo crash test le même jour, je me vois pas bien dans le retour caméra parce que j'ai juste le petit écran de ma caméra et je mets plus le retour sur mon téléphone. C'est pour ça que vous voyez que maintenant la qualité elle est vraiment bien, parce qu'avant je mettais mon retour sur mon téléphone, bref sur un écran, pour que je puisse voir ce que je fais. Le truc c'est que la qualité elle est pas pareille et je préfère avoir une bonne qualité et juste regarder là que regarder sur mon écran. Enfin bref, monter ma vidéo, je vois quoi, je suis blanche, je dirais j'ai mis de la farine sur mon visage. Vous allez voir ma vidéo ELF à mon avis dimanche par la grâce de Dieu, donc ça sera posté avant ce vlog, mais vous verrez. En fait c'était une catastrophe. Après je pense que peut-être je me suis trompée teinte, j'ai voulu faire un full face pour moins de 50 €. Je pense que c'est aussi pour ça, donc voilà. Bref, je m'active parce que là j'ai trop de trucs à faire. Et les filles, je n'en peux plus. J'ai enfin terminé de tourner ma vidéo chit-chat et ma vidéo pour les sourcils. J'ai filmé mon intro et la conclusion, ça a été bien court. Les filles, mon maquillage est une catastrophe. J'ai voulu le rattraper en mettant de l'anti-cerne, en mettant des produits par-dessus, alors que je fais jamais ça, mais never again en fait. Never again. Les fonds de teint trop foncés, je suis désolée, ça demande trop de taf. I haven't got time. Quand je me maquille, j'ai besoin d'être rapide. Bref, j'ai retiré tous mes bijoux drip là. Et là, je parle trop. Je parle trop. Je sais, je parle trop et je parle vite. Mais c'est parce que les filles, je suis déboussolée en fait. En plus de ça, les filles, moi, je me maquille sur mon lit. J'ai mis de la poudre et tout sur mon drap. Donc mon drap, je l'ai dégagé. Je vais montrer aussi les colis que j'ai reçus. Donc du coup, j'ai reçu ces deux produits là. Je vous en parle dans mon petit chat. Bon, là aussi, je peux vous en parler en vrai. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas ma carnation. C'est vraiment pas ma carnation. Je vous en parle quand même pour vous faire une petite revue. Parce que bon, je l'ai testé là. Et c'est pas tout le monde qui regarde mes tutos make-up. Mais j'espère que vous les regardez quand même. Bref, c'est trop foncé. Par contre, les personnes qui aiment les fonds de teint hyper naturels, vraiment vraiment très naturels, je vous conseille de les prendre. Vous avez un mat et un qui n'est pas mat. Moi, j'ai testé le mat. Donc oui, il est mat et tout. J'ai même pas l'impression que j'ai un fond de teint. De toute façon, mes fonds de teint en général, je les sens pas. Parce que je mets pas des trucs extrêmement couvrants. Sauf le Juvia's Place, je l'avais mis trop couvrant. On dirait que j'avais un masque sur le visage. Trop foncé. Vraiment trop 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 foncé, trop orange. Donc voilà, j'ai reçu ça. J'ai reçu un boucleur, mais vous êtes dessus. Donc je peux pas vous le montrer. Là, j'ai reçu ce matin, j'ai reçu deux colis, je vais vous montrer. Je dis deux colis, mais pas du tout. En fait, j'ai pas reçu deux colis. J'ai reçu un petit truc Sephora comme ça. Vous savez, c'est les trucs avec les offres là. Et j'ai reçu un petit colis comme ça. Je pense que c'est une marque de cheveux. Donc, c'est un masque, du coup, intense réparation. Et je crois que c'est une. Comment on appelle ça? Une chantilly, voilà. J'ai jamais testé, j'ai trop hâte de tester. Sans silicone, ça convient aux cheveux crépus, frisés, bouclés et ondulés. Donc désolé les filles qui ont les cheveux lisses, mais c'est pas pour vous. J'ai testé ça. Après moi les filles là, j'ai fait un lissage brésilien il y a quelques jours. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner sur mes cheveux, vu que mes cheveux seront assouplis. Mais au pire des cas, je vais le faire tester sur ma soeur. Vu qu'elle a des boucles, vu qu'elle a les cheveux très bouclés. Et je vous dirai. Du coup, ce qu'ils nous disent sur le petit pot là, c'est que ça stimule la croissance, anti-fourche,
débarrasse le cuir chevelu des cellules mortes et des pellicules, donc ça c'est hyper bien. Ça rend le cheveu plus fort et brillant, réduit la casse de la fibre, facilite le démêlage, répare tout en hydratant les cheveux. Les filles, je pensais que c'était un produit qui ne se rinçait pas, mais en fait ça se rince. Faut laisser poser 15 minutes. Mais par contre, j'aime pas du tout l'odeur. J'aime vraiment pas l'odeur, mais vraiment pas. Les filles, j'ai reçu le petit sérum avec. Donc pareil, ça stoppe la chute. Alors action, stoppe la chute des cheveux, un soin revitalisant pour le cheveu, procure une souplesse immédiate, donne une brillance aux cheveux et une meilleure tonacité, renforce la fibre capillaire. Ça, les filles, je pense que c'est plus pour l'utiliser autant que bain d'huile, parce qu'ils nous disent qu'il faut appliquer les gouttes sur son cuir chevelu. Ça rend les cheveux gras du coup. Donc c'est pas un truc que je recommanderais pour tous les jours. Par contre c'est hyper gros, je m'attendais pas à ce que ça soit hyper gros. Donc ça c'est bien parce que t'en as beaucoup du coup. 100 ml, c'est énorme. Pareil les filles, j'aime pas l'odeur. Après je pense que c'est parce que c'est vraiment des produits naturels. J'en ai mis partout. Je mettrai ça sur mes cheveux avant de faire un shampoing. Mais voilà, moi je suis pas quelqu'un qui aime les bains d'huile. J'ai essayé récemment. Mais j'ai trop du mal, j'ai vraiment trop du mal. Donc même un bain d'huile, je pense que je ne ferai pas. Mais mettrai quelques gouttes dans ma tête, ça ne me dérange pas. Surtout quand je les laisse naturelles, ça ne me dérange pas de faire ça. Mais voilà, du coup les filles, la marque c'est Chandrani. Et ça a été fait en France, donc les produits sont made in France. Je vous mettrai les liens des produits dans la barre d'infos. And voilà, that's it. Les filles, ensuite dernier colis. APM Monaco. Il y a des filles qui me disent toujours, ouais, tes bijoux viennent d'où, APM Monaco. APM, les filles. Donc là, j'ai pris un petit bracelet en argent, comme ça. Ici, vous avez, du coup, un petit diamant big. Et ici, vous voyez, vous avez deux petits trucs bleus, là. Je trouvais beau. Mes bijoux, actuellement, c'est de l'or. Mélanger les deux, mais je pense que quand je m'habillerai dupe, voilà, je mettrai ça. Et j'ai pris la bague qui va avec. Elle est trop jolie. Elle est comme ça. Ça, c'est vraiment une bague en mode big. Vous voyez, c'est une bague en mode period en fait. Ça, c'est une bague quand tu veux drip. Comme ça, c'est une bague très drip. AP Monaco, super bonne marque. Je suis pas déçue. Après, faites attention quand même. Je trouve qu'il y a des bijoux qui bougent. Surtout quand vous avez des diamants. Mais si vous pensez à retirer les bijoux, etc., il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez porter des bijoux quotidiennement, etc., faut songer à retirer ses bijoux à chaque fois pour justement pour pas qu'ils s'abîment. Mais moi vu que je les porte tout le temps, ben après ça frotte, etc. Il y a des rayures, je peux perdre des diamants. Donc bon, ça c'est un peu plus problématique. Mais sinon les filles, la qualité elle est ouf. Ça vaut grave son prix et tout. J'aime trop leur marque. Vraiment j'aime trop leur marque. Et là le truc que je dois faire c'est me démaquiller. Je voulais tourner un TikTok, je sais même pas les filles si je vais le faire. Je sais pas. En fait, mon maquillage, il m'a desséché, sachant que j'étais censée enchaîner mes vidéos, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, mon organisation, du coup. Mais je vous retrouve après. Alors là, les filles, je vous explique. Problème. Je fais l'erreur de descendre après que je vous ai parlé. Je me suis démaquillée et tout. Je fais l'erreur de descendre. Je parle avec ma mère, je parle avec ma soeur, etc., etc. Au final, perte de temps. Avec ma mère on est censé partir, sauf que je me suis dit bon, elle m'a dit elle fait la vaisselle et pendant qu'elle fait la vaisselle elle me préparer. Je lui ai dit je dois tourner deux vidéos, sauf que les filles, je n'ai pas tourné ma vidéo parce que j'étais en train de chercher une tenue, parce que je me suis dit bah en même temps étant donné que je sors, je me suis dit quoi, bah on va faire du contenu, je vais faire faire ma mère me prendre en photo parce que ma mère elle me prend bien en photo. Donc je me suis dit je vais faire une tenue, etc. Comme ça je fais une tenue pour Insta, pour vous, pour des inspi et tout. Et en même temps je fais un TikTok. Je fais deux TikTok même. Un TikTok make-up. Ma coiffure je vais pas la changer. Et en même temps je voulais faire un TikTok tenue. En mode on s'habille ensemble. Les filles, je ne sais pas comment m'habiller. J'ai commencé à assembler des trucs, etc., etc. Rien qui va. J'ai prévu des tenues dans ma tête depuis 1000 ans. Vous voyez les tenues que je fais dans mes halls. Sauf que les filles, il y a des trucs que j'ai rangés en dessous de mon lit. J'ai pas la force de tout déplacer, sachant que ma mère elle a terminé la vaisselle bientôt. Donc elle va me presser. Donc c'est mort. On force rien. Sans vidéo, sans TikTok, sans Insta, sans rien. Nada. Nicht. J'ai trop la haine. Purée. De toute façon, en vrai, c'est pas comme si on sortait, on allait se pavaner et tout. On sort pour prendre un truc ou on rentre. Donc vas-y, c'est pas grave.
J'ai plus de batterie, donc à mon avis, si je continue le vlog, je continuerai avec mon téléphone. Ma batterie est die. Salut. Je suis sortie avec ma petite sœur de 8 ans, qui va avoir 9 ans bientôt, par la grâce de Dieu. Là, on va faire des photos. Donc, ma voiture est remplie de tenues. Et on en a fait combien? 5? Oui, je crois. Ouais, 5 tenues à peu près. Donc là, j'ai ma première tenue, que j'aime trop. Je vais vous faire une photo parce que je l'aime trop. Mais là, il faut qu'on choisisse l'endroit où on fait la photo. Donc là, pour l'instant, on est dans un parking. Il y a une photo que je dois faire parking. Il y a une photo, on a repéré un bâtiment. On va faire devant un bâtiment. Merci pour les lumières. Il n'y en a pas besoin, Mimi, je vois bien déjà. Merci. Photo Starbucks. Escalier, on a dit. Oui, j'ai dit. Ouais, bon, on verra. En gros, là, on verra. Déjà, j'ai une première tenue sur moi, donc je pense que cette tenue-là, on va la faire. Ah oui, dans le truc là du magasin, même tu devais aller. Ah ouais, 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 on va faire ça. Et après, je vais me changer. Cette photo-là, c'est la photo toilette. Mais là, je suis obligée de tout bouger. Là, je suis obligée de partir hyper loin. Mais vas-y, c'est pas grave. Mais non, on a trouvé une place, on a galéré à trouver une place. Donc là, bon, c'est pas grave. Cette tenue-là, on va la faire dans la rue, là. Ou sur le mur gris, non? Bref. Bonne chance pour t'habiller. Hein. Ouais, sachant que là, on est dans un parking. Il y a du monde, en fait, je pensais pas. Mais il y a grave du monde. Alors que... On a pas pris de serviettes. Ouais, les filles aussi, j'ai mes règles. Enfin, non, je les ai pas encore. Mais je sens que je vais les avoir. Mais bon, c'est pas grave, on va se dépêcher. J'en ai dans mon coffre. J'ai tout dans mon coffre. Bref, on se retrouve après. Bisous. Le coffre, c'est une maison. Aide à poster, sachant que les filles, je suis en PLS. J'ai mes règles. J'ai trop mal, je sais pas si je vais pouvoir y aller. Les filles, je viens de terminer mon make-up et je suis dégoûtée. Mais vraiment dégoûtée. Vous voyez même pas bien mon make-up. Regardez, regardez à la lumière. Ce côté-là, comment il est beau. Et mon make-up, il était magnifique. Mais quand je dis magnifique, c'était magnifique. Je dois tout retirer. Comme mes amis congolais diraient, Zambé. Je suis désolée. Trop, c'est trop, en fait. Trop, c'est trop, les filles. Je sais pas, mon œil, il a fait quoi de ce côté-là. Je sais pas s'il a pleuré. En tout cas, j'ai même pas remarqué qu'il a pleuré. Mais ici, là, j'ai comme... Enfin, ça a fait une goutte comme s'il a pleuré. Et du coup, j'ai essayé de rattraper 1000 fois, genre en remettant de l'anticerne, en remettant de la poudre, etc. D'ailleurs, si vous avez des techniques pour ça, dites dans les commentaires. C'était trop moche. Et à chaque fois, ça revenait, on dirait que j'avais un œil au beurre noir. C'était horrible. Du coup, j'ai décidé de tout effacer avec une lingette et de recommencer, genre juste par rapport à ma cerne, quoi. Et ensuite, j'ai dû remettre du blush et tout. Mais les filles, ça fait pas beau comme là. Kent, je peux pas filmer comme ça. Je peux pas. En plus, les filles, vous savez, avant, j'aimais trop me maquiller pour rien, etc. Maintenant, j'ai arrêté. Donc, ça veut dire que quand je me vois maquillée, c'est limite... C'est pas je suis choquée, mais j'oublie. Des fois, j'oublie mon potentiel. J'oublie mon potentiel des fois quand je suis maquillée. Vous voyez, je vais me démaquiller complètement. Et du coup, je crois que je vais même pas tourner ma vidéo. Je sais pas, ça m'a saoulée. Ça m'a grave saoulée, mais vraiment, je commence à avoir grave mal au ventre. Du coup, je vais me démaquiller. Je verrai, je serai dans quel mood... Quand je serai démaquillée, je vais préparer ma vidéo YouTube, c'est pas grave. Bisous. J'ai commencé à faire ma miniature, donc j'ai mis ça Eyebrows Routine. Ensuite, je vais changer la photo. Les filles, finalement, j'ai tout retiré. J'ai pris une page vierge pour faire ça. Voilà, tout ça pour ça. Hi girls, je viens de tourner ma vidéo FAQ et je viens de terminer un direct. Donc ça fait environ 3 heures que je suis derrière des écrans en train de vous parler, tout simplement. Voilà, 1 heure pour ma vidéo, 2 heures en live. Ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait de live. Donc j'ai passé un petit moment avec vous et je pense que je referai un live pas incessamment sous peu. Je fais plus trop de live. Je referai un de ces quatre. J'aime bien parler avec vous.
que quand je suis en live, en plus je parle beaucoup, c'est pas je fais une apparition et je pars. Bref, mais là ça a coupé parce que je buguais. Les filles, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai acheté ça, un fer à boucler. Si je l'ai pas mis en barre d'infos, les filles, rappelez-moi de le mettre en barre d'infos. Il est trop bien, mais vraiment trop bien. Je l'aime trop. C'est avec ça que j'ai bouclé mes cheveux aujourd'hui et j'ai fait un tuto sur TikTok. Donc allez me suivre sur TikTok. Et par contre, mes boucles là, elles sont grave retombées. Donc bon, c'est trop chiant. Mais le fer, il est énervé. Vous avez plusieurs embouts et tout. Je vais tout tester. J'aime trop. Je vais vous faire des tutos avec sur TikTok. Voilà. Alors là, les filles, donc il est 10h11. Je viens de rentrer de la salle. Je me suis douchée et tout. Et là, j'ai pris un petit bol de framboise. Je vais lire mon livre, ma Bible. Là, je lis ça chaque matin. Programme et après, prière. Là, voilà. Ça, c'est le matin. Alors là, les filles, je vous explique. Vous voyez, ici, il y a deux vidéos qui doivent sortir que j'avais préparées. Et bah, du coup, là, je vais faire du montage. Il y a une vidéo que je dois envoyer une marque aujourd'hui. Et il y a mon vlog là que j'ai commencé à monter, qui est juste ici. Donc voilà, comme ça, j'aurai plus qu'à monter les parties qui me restent là que je vais faire aujourd'hui et dans les jours à venir. Et ensuite, je vous posterai ça dimanche par la grâce de Dieu. Les filles, alors là, il est 7h08 par là. Je pars à la salle. Je suis en retard. Normalement, je pars vers 6h. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. Si la qualité elle a changé, c'est normal. C'est parce que je prends pas mon appareil photo. Je filme avec mon téléphone. Donc voilà. Alors là, les filles, mise en scène, la mise en scène. Là, ça va tourner. Je vous explique. Alors, j'ai déjà bien commencé ma journée. Bah, de toute façon, je vous l'ai dit, je suis partie à la salle ce matin. Il est 14h34. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de dormir. Et mon contouring du nez est un peu trop marqué. Hein. J'ai un programme précis. Je commence par... De base, je voulais faire un tuto coiffure sur TikTok. On verra ce que je vais faire, mais je pense plus partir sur un Get Ready With Me. C'est pour ça que vous me voyez avec un peignoir blanc, parce que scénario n'a scénario, en fait. Voilà. Donc, je vais vous faire une tenue. Si tout se passe bien, parce que j'ai une tenue dans ma tête. Ça, c'est pour mes go qui sortent. C'est carré. C'est carré. Vous mettez ça. En... Ça fait pas trop. Mais ça fait en mode... Vous voyez. Oui, faire ça. Ensuite, je vais vous tourner une vidéo après sur YouTube. Et ensuite, je vais me laver les cheveux. Je vais vous montrer les produits que j'utilise pour me laver les cheveux. Et that's it. Ah oui, et unboxing de mes colis. J'ai reçu plein de colis, je vais vous montrer. Donc. Et aussi, les filles, je vais mettre des trucs sur Vinted. Donc, suivez-moi sur Vinted. C'est Kanel, K-A-N-U-L, comme mon prénom. Et voilà. On se retrouve après. Bisous. Avec moi, si t'es pas là, comment je vais faire pour tenir face à ça? T'es mon modèle, t'es mon appui, celui sur qui je me repose. Le premier, le dernier de ma vie, chez qui la vie me dépose. Des fois, je me regarde et je vois la grâce de Dieu. Certains m'observent et ils voient la trace des cieux. Des fois, je suis seule, mais je sens sa main sur moi. Je sais qu'on va me demander, donc c'est Paradox et c'est Darla Golden Goal. Voilà, boxing de mes colis. Alors les filles, j'ai acheté ce livre là sur Amazon parce que j'en ai entendu parler. Et je pense que autant que femme et même autant qu'être humain tout court, bon, on a tous des blessures de l'âme. Donc je me suis dit que ça pouvait contribuer à certaines choses qui se sont passées dans ma vie, dans le passé et qui ont des répercussions aujourd'hui dans ma manière de penser, dans ma manière d'agir, etc. Donc étant donné qu'on cherche toujours à s'améliorer,
je me suis dit je vais prendre ce livre. Donc c'est Guérir l'âme d'une femme de Joyce Meyer. Donc, je sais pas si c'est un pasteur, mais en tout cas c'est une personne qui enseigne aux États-Unis, je crois que c'est aux États-Unis. Bref, en tout cas, il parle anglais. Je suis ses prédications depuis plus de un an et j'aime beaucoup ses prédications. Elle a une grosse histoire, etc. Donc, je vous conseille d'aller regarder ses vidéos, son témoignage, et c'est très édifiant. Donc voilà. Ensuite, j'ai des petits colis FedEx. C'est deux produits pour les cheveux, je crois. Premier colis, c'est un Unice Air. D'ailleurs, je vais faire la vidéo. Peut-être aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est samedi. Sinon, je ferai la vidéo lundi. Les cheveux, c'est New Parsley. Donc, je vais mettre ça. Pendant que mes cheveux sont lisses, parce que après, je pourrais plus mettre de faux cheveux. Les filles, je vais mettre des tapes. Alors, les filles, ensuite, Colly Curls Queen. Ma marque préférée de cheveux. Et si vous faites des tissages, si vous mettez des extensions à clip, des tapes. Allez chez cette marque, les filles. Ok, ça coûte cher et tout, mais la vérité, ça vaut son prix. C'est une dinguerie. C'est la meilleure marque de cheveux que j'ai connue de toute ma vie, tout entière. Ils sont trop forts. J'ai pris des mèches. Et c'est des mèches bouclées. C'est des water wave. Comme ça, ça va bien se fondre avec mes cheveux naturels. J'ai trop hâte de tester. J'ai 3 paquets. J'espère que ça va suffire. Je sais pas encore qui va me les poser. Ou si je devrais les poser toute seule. Mais j'aurais préféré que quelqu'un me les pose cette fois-ci. Parce que c'est tellement galère à poser seule. Mais bon, si j'ai pas le choix, voilà quoi. Voilà les filles pour ce petit unboxing. C'était très vite fait. En fait, de base, j'avais reçu des colis. J'avais fait une commande Boohoo. Mais j'ai renvoyé plein d'articles parce que j'aimais pas. Donc voilà. Voilà, rien de fou. Update, les filles, j'ai terminé de tourner ma vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me démaquiller. Et je vais me laver les cheveux, je vais vous parler d'une marque. Je vais vous parler d'une marque, la marque c'est Maybe Paris. Et aujourd'hui j'ai appliqué déjà le soin dans mes cheveux avant de les plaquer. Et je vais vous montrer tout ça, donc je sais l'odeur et tout, ça sent trop bon. Même là, quand je bouge ma tête comme ça, un tout petit peu, ça sent le produit, ça sent trop bon. Les filles, on va tester ça, on va tester tout ça en fait. Donc voilà, je vais vous montrer directement comme ça, ça sera mieux. Ah, mes cheveux les filles. Ah non, le masque il sent archi bon. Mais vraiment archi bon, je vais vous en parler après. Parce que je vais en mettre sur mes pointes. Sachez que j'ai tué mes cheveux cette semaine. J'ai fait beaucoup de plaques et tout. Donc on va voir si ça fonctionne vraiment parce que... Mais bah j'ai les pointes sèches. On va mettre le premier sérum, c'est le Pulse My Hair. Le flacon il est comme ça. Il est hyper beau. Vous avez une pipette comme ça. Et je vais venir en mettre comme ça. Et avec ça, j'ai cette petite brosse, pareil, de chez Maybe Paris. Elle est trop jolie. Il faut masser le cuir chevelu pendant 1 minute. Ça fait du bien, hein. Donc en même temps, vous pouvez être sur votre téléphone histoire de ne pas rien faire. Là, pendant 1 minute environ, j'ai massé mon cuir chevelu. Et les filles, c'est vraiment comme un sérum. Donc c'est très... Comment dire? C'est comme un peu de l'eau. Donc ça agresse pas du tout les cheveux. Donc vous pouvez l'appliquer tous les jours et faire des massages quotidiennement. Bon, soit avec vos doigts, soit avec l'espèce de petite brosse. Et voilà, vous l'appliquez bien sur la racine des cheveux quotidiennement. Par la suite, ça va stimuler la pousse de vos cheveux. Donc voilà. Je sais pas si vous allez voir mes cheveux, mais ils sont d'une sécheresse. C'est abusé. Vraiment abusé. Pour les filles qui me disent que j'ai pas de fourche et tout, je sais pas si vous allez voir, mais mes cheveux sont dans un état très critique. Le truc que je vais faire avant de faire mon gommage, mon shampoing et tout... Je vais appliquer ça. Juste avant votre shampoing, vous appliquez ce sérum là. Donc c'est le Juste Miraculous. Et c'est un sérum de soin intense pour les longueurs et les pointes. Donc on va être généreux et on va en appliquer sur les pointes. Surtout parce que là c'est catastrophique. Et vous devez laisser poser minimum 1 heure. Donc voilà, je vais faire mes petites occupations pendant ce temps. Une bonne noisette. Là vous pouvez voir que mes cheveux sont beaucoup plus gras.
Donc les filles, je mets deux pipettes à chaque fois. Donc les filles, ça rend quand même les cheveux gras. Donc ça rend les cheveux gras, mais pas de ouf. C'est-à-dire que vous pouvez quand même sortir avec. Moi, personnellement, je pense que la prochaine fois, je sortirai avec. Parce que l'odeur n'est pas désagréable. Vous savez, c'est pas une odeur... les odeurs de plantes, les odeurs de... bizarre, là. Donc là, j'ai fait un petit chignon comme ça. Et soit je vous retrouve demain pour le résultat final, quand je vais me lisser les cheveux et tout. Alors là, les filles, je vais appliquer le gommage. Donc, ça va faire une fois par semaine et avant le shampoing et le soin Botox. Donc, vous allez voir que ça mousse bien. Il faut faire ça sur la racine. Donc, ça stimule la pousse du cheveu et ça enlève les pellicules, les cheveux gras. Voilà, vous pouvez voir que ça mousse super bien. Donc, pas besoin d'en appliquer des tonnes. Et ensuite, je vais venir rincer. Donc, prenez votre temps pour rincer, pour bien enlever les grains. Et de toute façon, après, on va faire le shampoing. Donc, ça permettra aussi que les grains du gommage soient bien retirés. Maintenant, on passe au shampoing. Les filles, l'odeur, comme je vous l'ai dit, c'est abusé. Le monoï, ça mousse hyper bien. Vous pouvez vous laver les cheveux avec une à deux fois par semaine. Et en plus de ça, les filles, il est sans sulfate. Que demander de plus? Et ensuite, on applique du coup le soin Botox sur les longueurs et sur les pointes. Les filles, il est incroyable. L'odeur aussi, elle est ouf. Vous devez le laisser poser pendant 20 minutes. Là les filles, j'ai terminé ma douche. Si vous vous posez des questions pourquoi j'étais maquillée, je me démaquille dans un premier temps dans la douche. Voilà. Et là les filles, j'ai encore le soin Botox et je vais le laisser toute la nuit. Et demain matin, je vais le rincer et lisser mes cheveux. Voilà, comme ça je le laisse bien poser. Ça sent super bon de mon oeil. Et comme ça mes cheveux seront bien nourris. Donc on se retrouve demain pour le résultat. Hello les filles, là je vous retrouve, j'ai bien lavé mes cheveux, je les ai lissés. Regardez la brillance, c'est incroyable. Ils sont trop beaux, regardez-moi ça. Là c'est avec la lumière du jour et la lumière de ma chambre. Donc mon flash pour que vous puissiez bien voir la brillance de mes cheveux. C'est incroyable. Mes cheveux ils sont grave nourris, franchement. Regardez-moi ça. Je valide de ouf la gamme. En plus de ça, les filles, tellement les produits sont très 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 nourrissants, vous n'avez pas besoin de mettre des produits avant de lisser vos cheveux. Il faut savoir que moi, pour les personnes qui me suivent et qui savent à peu près ma routine cheveux, moi, de base, je suis obligée de mettre de l'huile avant et après me lisser les cheveux pour avoir vraiment un rendu bien plat. Bien brillant, bien... Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, voilà. Tellement mes cheveux sont nourris et tout, j'ai pas eu besoin de mettre de l'huile. Non mais ça me choque en fait. Que ce détail là, il me choque. Je veux en plus de ça, ils sentent bon le monoï. Mais que demander de plus? Mon avis général sur la marque, je valide à 100%. De ça, les produits sont 100% made in France. Vous avez pas de sulfate, vous avez pas de silicone et vous avez pas de parabène. Les trois, il n'y a pas. Pour toutes les personnes qui utilisent Yuka, Yuka c'est une application pour voir si les produits sont bons, s'il y a une bonne composition et tout. Vous pouvez voir sur Yuka, les filles, que les produits sont très bien notés. Puis je vous partage ce bon plan cheveux. Mais en plus de vous partager ce bon plan, les filles, j'ai un code promo. Code promo, et c'est pas un vieux code promo, c'est un code promo de moins 40%. Les filles, moins 40% pour les 150 premières qui vont commander. Donc je vais vous mettre le code ici sur l'écran et en plus de ça dans la barre d'infos. Les personnes qui veulent se procurer les produits, mon code promo est actif. En plus de ça les filles, je vous ai même pas parlé de la livraison. 48 heures, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous recevez vos produits en 2 jours. Oui, voilà, franchement qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi je valide, franchement mes cheveux sont trop beaux. Je force à vous montrer la brillance mais c'est parce que vous pouvez pas toucher mes cheveux.
Mais les filles, elles sont tellement douces. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je kiffe. Voilà les filles, pour la gamme Maybe Paris. C'est validé. Mes cheveux valident. Je valide. Je valide aussi la senteur. On valide tout. Alors là, les filles, je pars. Je dois aller à Action. Je pense que je les en ai avec moi. Et à Lidl pour acheter des... Qu'est-ce que j'ai acheté, je vais voir s'il y a des framboises. Depuis un moment, il n'y en a plus. J'aime trop les framboises. C'est mon fruit préféré. Du liquide vaisselle, des amandes, des noix du Brésil pour mon père et des fruits secs. Donc voilà, c'est tout. Je dois juste faire ça. Et and that's it. On se retrouve après. Non mais les filles, lol, en fait, lol, big lol. Vous savez, là j'étais dans le parking. Donc je suis dans le parking et tout. Et c'est pas... je suis en train de rouler, je veux me garer. Il y a une voiture, elle me... genre elle s'arrête devant moi. Vous savez, il y a deux voies dans un parking. Elle se met en face de moi. Comme ça, genre là, il y a ma voiture et elle, elle se met en face. Et genre, on se regarde dans le blanc des yeux. Je fais un signe en mode de... il y a quoi? Il me montre en haut, en fait, j'étais en sens interdit. Mais laisse-moi tranquille, en fait. Laisse-moi me garer. Il n'y a pas, franchement, il n'y a pas à faire ça. Du coup, j'ai dû bouger. Enfin, j'ai fait un tour. Et du coup, bah, je me suis garée plus loin. Donc, ça me saoule. Mais bon, après, c'est vrai que j'étais en sens interdit. Donc, il faut reconnaître ses torts. Mais voilà quoi, t'aurais pu me laisser me garer, mec. Ça se va de faire ça. En plus, c'est... sa copine, elle était en mode. Pourquoi tu fais ça? La vérité, pourquoi tu fais ça? Bref. Bref, donc là, la fille, c'est parti. Ah, on va à Action, ensuite on va à Lidl. Et ensuite, je rentre chez moi, je monte mon vlog. Et voilà. Les filles, c'est des trucs comme ça que je veux. Bon, les filles, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Enfin, c'est pas exactement ça. Donc, j'en ai pris que deux. Désolée pour les cheveux qui vont sur ma tête. Mais là, mes mains sont une pleine. Tu disais, les filles, je suis un peu dégoûtée. Voilà, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je voulais des rangements, make-up, vous savez, transparent. D'ailleurs, je vais peut-être me prendre un truc au McDo pour 4 heures. Ce midi, j'ai mangé une salade. Avec une part de pizza. Où je suis garée, les filles. J'ai trouvé ma place. Je vais mettre ça dans le coffre. Attendez. Tac. Et je vais prendre déjà un sac. Oh, purée, les filles. Il fait bon dehors. J'ai mis une doudoune, mais il n'y a pas ma doudoune. Hop, je pose ici, les filles. Alors, la direction. La direction. En fait, je ne peux pas conduire. Enfin, je peux pas vous filmer pendant que je conduis parce que j'ai acheté deux trucs pour tenir le téléphone. Il n'y a rien qui tient. J'en ai acheté un sur Amazon, un à Action, un à Carrefour. Laisse tomber, il n'y a rien qui tient. Quoique là, je peux vous mettre, mais après, je vois pas à quelle allure je conduis. Je vais mettre mes phares. Et voilà, les filles, j'ai tout rangé. Là, j'ai mis toutes mes poudres et tous mes fonds de teint. Et les anti-cernes. Là j'ai mis mes blushs. Là j'ai mis tout ce qui est éponge et tout, ou pète. Là j'ai mis quelques petits trucs et là aussi. En fait ces deux là ils rentrent pas, donc c'est superposé. Il me faut un truc plus petit. Je sais pas ce que je peux prendre et où est-ce que je peux le trouver. Mais je vais prendre des mesures de là à là et de là à là. Et je vais regarder sur Shein. Donc voilà. En tout cas, là, c'est beaucoup mieux parce que sinon, c'était une catastrophe. Allez, filles, donc là, je viens de rentrer. Mon vlog est terminé. C'était un vlog casanière, donc ne vous attendez pas à ce que je fasse des trucs de ouf. Je suis sortie peut-être 2-3 fois et c'est tout. Mais je vais m'arrêter ici parce qu'on est vendredi et je vais poster mon vlog dimanche. J'espère que ça vous aura plu. Ben, ça vous fait genre comme une story, hein, comme une story sur Snapchat, Instagram. Vous m'entendez parler, vous me voyez faire quelques petits trucs à gauche, à droite. Et voilà, 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 voilà. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. Besos.